On se retrouve pour la deuxième vidéo de cette formation trading gratuite. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet clé dans le trading, les graphiques et les bases de l'analyse technique. Si tu veux réussir en trading, il est indispensable de comprendre ces outils car ils vont te permettre de lire le marché et d'anticiper les mouvements de prix. Alors, sois bien attentif, tout ce qu'on va voir peut paraître simple, mais c'est ultra important. Pour mieux assimiler les termes, pense à récupérer ton lexique gratuit en description ou en commentaire épinglé. Et allez, on ne perd pas plus de temps et on commence avec les différents types de graphiques. Avant de commencer, je te rappelle que cette formation est gratuite grâce à notre partenaire DYDX, qui est l'un des acteurs incontournables dans le monde du trading et qui nous aide à financer tous les frais de montage et de graphisme. C'est une plateforme de trading décentralisée, donc sans intermédiaire, sans KYC, où tu n'as pas besoin de faire de vérification d'identité avec des frais ultra compétitifs et un contrôle total de tes fonds. C'est ton portefeuille et tu es le seul à y avoir accès. DYDX fait partie de la catégorie DEX Futures et Perpétuel, ce qui signifie les échanges décentralisés, les exchanges décentralisés, les plateformes décentralisées consacrées au trading. D'ailleurs, DYDX a entre 20 et 30% des parts de ce marché selon CoinMarketCap. Bon, tu peux trader sur ton ordi ou bien sur une application mobile. Je te montrerai à travers des tutos un peu plus tard dans la vidéo. Ils ont récemment sorti une grosse mise à jour, avec notamment le DYDX MegaVolt qui permet de déposer des fonds qui vont générer un rendement passif. Le deal, c'est que ton cash apporte de la liquidité au marché, ce qui rend la plateforme plus efficiente. Et en échange de tout ça, tu touches un rendement. Et franchement, pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, on tourne à un API, donc sur une année de 70% par an. Donc c'est assez dingue. Bref, DYDX, c'est du lourd et je suis trop fier d'avoir eu ce partenariat, plutôt que de te présenter une plateforme bullshit. Alors maintenant, on reprend la formation trading. Il existe plusieurs types de graphiques que tu vas rencontrer sur les plateformes de trading. Le plus classique et le plus utilisé, c'est le graphique en chandelier japonais ou aussi appelé bougie japonaise. Il te montre en un coup d'œil l'évolution du prix sur une période donnée. Le chandelier te donne 4 informations essentielles, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le plus haut et le plus bas pendant cette période. Ça te permet de savoir si le marché est haussier ou baissier sur cette période. On va y revenir juste après. Sinon, tu peux aussi rencontrer des graphes en courbe, donc avec une simple ligne qui suit le prix. Le problème, c'est qu'une ligne, c'est comme tu l'as appris à l'école, ce sont des points reliés entre eux. Et tu vas voir que c'est limitant parce qu'avec un graphique linéaire, tu loupes plein d'informations. Parce qu'imaginons que tu regardes un graphique linéaire du Bitcoin sur un an. La ligne, elle va représenter des points reliés du prix du Bitcoin chaque midi de chaque jour de l'année. Mais tu ne sauras pas ce qui s'est passé à 2h du matin ou à 5h de l'après-midi. Les chandeliers ou bougies japonaises, appelle-les comme tu veux, sont vraiment les plus pratiques et il faut que tu t'y habitues. Allez, on va un peu plus dans le détail de ces bougies japonaises. Elles sont composées de deux parties. Il y a d'abord le corps, représenté par le rectangle. C'est la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Si le corps est vert, ça veut dire que le prix a monté. Si c'est rouge, il a baissé. Chaque bougie représente une unité de temps. Donc ça, c'est nous qui choisissons. On te montre un exemple au montage. Si on choisit la période de temps daily, c'est-à-dire en français un jour, alors chaque bougie japonaise va correspondre à une journée. Pour une bougie verte en daily, qui correspond par exemple au 1er octobre, le bas du rectangle indique le prix auquel cette journée du 1er octobre a commencé, donc à minuit et une seconde. Et le haut du rectangle correspond au dernier prix qu'on a connu ce 1er octobre à 23h59 et 59 secondes, à la clôture de la journée. C'est là que ces bougies deviennent intéressantes parce qu'elles ne nous fournissent pas seulement ces informations d'ouverture et clôture du prix, on peut savoir aussi ce qui s'est passé entre les deux grâce aux mèches. Ce sont les lignes au-dessus et en dessous du corps. Elles montrent les prix les plus hauts et les plus bas atteints pendant la période. Exemple, le Bitcoin a ouvert la journée du 1er octobre à 60 000 $. C'est le bas du rectangle. Il montait à 64 000, descendu jusqu'à 58 000 et finalement fini à 62 000 $, qui est donc le haut du rectangle. On a alors une mèche au-dessus du rectangle qui va jusqu'à 64 000 $ et une en bas du rectangle qui va jusqu'à 58 000 $. Le rectangle est vert parce que le Bitcoin a clôturé la journée plus haut que ce qu'il a commencé. Maintenant que tu connais les différents types de graphiques et que tu sais lire en bougie japonaise, je te propose de te parler des tendances haussières, enfin plutôt des tendances de marché. Une des premières choses que tu dois apprendre à identifier maintenant que tu sais lire un graphique, ce sont les tendances du marché. Il y en a trois principales, forcément la tendance haussière dont je t'ai parlé. Le prix monte de manière générale, on a des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui paraît logique, mais surtout, on a des plus bas de plus en plus hauts. Parce qu'un cours ne monte pas de façon linéaire, ça se fait par impulsion et des phases de correction pour laisser le marché refroidir et continuer à monter.
À l'inverse, il y a forcément la tendance baissière, le prix baisse de manière générale, on a des plus bas de plus en plus bas, ce qui paraît aussi logique, mais surtout, on a des plus hauts qui sont aussi de plus en plus bas à chaque fois. C'est exactement l'inverse. Un cours descend rarement de façon linéaire, ça se fait par plusieurs phases de dump et des petites remontées de l'espoir. D'ailleurs, concernant ces deux tendances, le mieux, c'est de les suivre. Parier à la baisse dans une tendance haussière, c'est très souvent un mauvais choix, sauf si tu as repéré un top de marché et un retournement de tendance, grâce aux indicateurs qu'on verra par la suite. Mais sinon, la troisième tendance principale, c'est la latérale, aussi appelée un range en anglais. Le prix évolue dans une fourchette ou bien dans un canal, selon comment tu préfères l'appeler, sans vraiment monter ni descendre. Par contre, tu peux avoir un range qui est légèrement haussier ou légèrement baissier, comme celui dans lequel est resté le Bitcoin toute la majorité de l'année 2024. Bref, repérer une tendance, c'est super important pour savoir si tu dois acheter ou vendre. Par exemple, dans un canal, tu peux souvent vendre le haut du canal et acheter le bas du canal. Il faut juste bien faire attention au moment où on va sortir de ce canal parce qu'on n'y reste pas éternellement. On verra plus tard comment utiliser des indicateurs techniques pour confirmer ces tendances. Mais maintenant, il faut qu'on parle encore de deux choses ultra importantes et trop négligées par les débutants. Ce sont les supports et les résistances. Donc, ces concepts de support et de résistance, ce sont deux notions simples mais ultra efficaces que tu dois absolument repérer. Ça va être souvent les prix sur lesquels tu vas te positionner pour faire les trades et gagner de l'argent. Alors, un support, c'est un niveau de prix en dessous duquel le marché a du mal à descendre. C'est un peu comme un plancher sur lequel on vient rebondir. Et c'est dû au fait qu'on arrive sur un prix qui est psychologiquement important pour les humains qui surveillent cet actif. Donc, il y a plusieurs raisons. La première, c'est les chiffres ronds. Va savoir pourquoi, nous les humains, on a une passion pour les chiffres ronds. Ça va être parlant pour les membres de mon groupe. Le niveau des 60 000 dollars, c'est souvent un prix sur lequel je place un long. Enfin là, je parle les mois précédents parce que là, on est bien plus haut. Donc un pari à la hausse, un long, quand le Bitcoin descend à ce niveau-là. Mais c'est pas simplement parce que c'est un chiffre rond, même si ça joue, c'est surtout parce que c'est un prix au niveau duquel le Bitcoin a souvent du mal à passer. À l'inverse, une résistance, c'est un niveau au-dessus duquel le marché a du mal à monter. C'est comme un plafond sur lequel on vient se taper avant de retomber. En gros, c'est le même principe qu'un support, mais à l'inverse. Et d'ailleurs, un prix peut être à la fois un support et une résistance. C'est le cas justement de ces fameux 60 000 dollars. Ça dépend si on est au-dessus ou en dessous. Je te donne un exemple. Le plus haut historique de mars 2024 était de 73 800 dollars pour le Bitcoin, avant qu'on passe au-dessus. Eh bien, c'est devenu théoriquement un support qui serait sans doute travaillé si le prix chute vers cette zone. Imaginons qu'on est à 85 000 dollars et que le Bitcoin descend. Tu peux être sûr qu'il aura du mal à passer en dessous des 73 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas, il y aura une bataille et probablement un rebond. Bien sûr, ce sont des suppositions et un mauvais événement peut venir tout chambouler. C'est le risque du trading. C'est pour ça qu'on va t'apprendre à bien tout paramétrer dans les tutos qui arrivent un peu plus tard. Alors juste un petit mot, en trading, tu vas te retrouver sur une interface qui s'appelle le carnet d'ordre ou order book en anglais. C'est tout simplement l'endroit où tu places tes ordres d'achat, vente, long ou short. Et c'est l'endroit où tu vois aussi comment tous les autres traders se positionnent. On reverra tout ça dans les tutos pour mieux que tu comprennes, mais t'inquiète, tu vas vite comprendre, c'est pas si difficile que ça en a l'air. Et sinon, je voulais aussi te parler des paires de trading. Une paire de trading, ça permet de savoir sur quel actif tu trades et avec quoi tu payes ou te fais payer. Par exemple, la paire BTC/USD. BTC est l'acronyme de Bitcoin et USD de United States Dollar, donc le dollar. C'est donc cette paire que tu achètes du Bitcoin, c'est avec cette paire que tu achètes du Bitcoin avec du dollar, et bien tu vends des Bitcoins pour récupérer des dollars à l'inverse. Bon, si ça te fait trop d'infos en même temps, n'hésite pas à laisser ton cerveau un peu au repos et regarder cette vidéo une nouvelle fois le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Tu vas voir que tu as vraiment tout bien assimilé, ça va être carrément mieux. D'ailleurs, pour compléter cette formation, n'oublie pas qu'on t'a préparé un lexique training gratuit qui reprend tout le vocabulaire. C'est idéal pour que tu t'appuies dessus pendant les vidéos. Je te reprécise, mais ce lexique est gratuit, donc pourquoi s'en passer? Le lien est en description et en commentaire épinglé. C'est cadeau. Si en échange, tu peux nous mettre un petit commentaire bienveillant, ça fera trop plaisir. Et n'oublie pas aussi que tu as aussi le guide Trading Pro, qui est un vrai e-book, là par contre professionnel, sur le trading pour que tu maximises tes chances.
Celui-là, tu peux le récupérer également sur notre site lecryptoclub.com, sinon tu as le lien. Enfin, si tu veux avoir accès à nos portefeuilles crypto, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, nos trades, de superbes analyses, toute l'actu, un onglet général, un onglet pour te faire aider, même un assistant GPT, enfin bref, tu verras, il y a plein de choses, eh bien, il faut que tu rejoignes le Crypto Club. C'est le groupe crypto idéal. Alors, pourquoi? Parce que c'est ultra abordable, alors que la valeur apportée est supérieure à beaucoup d'autres groupes qui sont souvent à 4-5 fois plus chers. Et c'est pas moi qui l'invente, ce sont des membres qui ont quitté ces groupes pour le note qui nous l'ont dit. Je te laisse vérifier par toi-même. On propose aussi de superbes outils qui te changent la vie. Tout est sur le site lecryptoclub.com si ça t'intéresse. Les liens sont en description et en commentaire épinglé. Bon, dans la prochaine vidéo, on va voir directement les stratégies de trading. Donc le scalping, le day trading, le swing trading. Pense au like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao l'ami.